Il le dit Zidane. Vous vous souvenez de Passepartout, The Starling Artist? Comment il peut s'en souvenir? Bah, je te jure qu'il y en a forcément quelques-uns qui se disent « Mais oui, c'est ce jeu que Terra a proposé il y a 2 ans. Voilà. » De 2-3... Enfin, 2017 quand même, sur ma liste de jeux Steam. Hein, Ah, il y a bien 4 ans alors. Oh ouais, il a dû être proposé. Hein, Mais oui. Ah non, mais je crois qu'il y a vraiment des gens qui s'en souviennent. Vous n'avez pas de vie. Hein. Vous nous regardez trop. T'as un pitch pour le jeu ou... Moi, je n'ai rien. Je n'ai rien. Ah je non, sais pas ce que je c'est. Crois. Je sais juste que je crois qu'il faut peindre. Je sais même pas si on peint soi-même. Je pense pas. Ouais. Il faut vendre ses œuvres. Ah ouais. D'accord. Moi, je te propose de tester. Ok. Nouvelle carrière. Pas de problème. Je dessine bien, donc j'espère qu'on va dessiner. Il y a une faute d'orthographe dans le nom du chapitre. Je voulais juste l'indiquer. Ah oui, c'est vraiment un début de carrière. Mais personne commence dans son garage. J'ai un mec qui vit dans son garage, en bas de chez moi. Ah ouais? Il va bien? Peut-être qu'il est peintre. Il va bien. Bah ça sent beaucoup la weed. Oh non, c'est nous qui dessinons. Alors, ah. Je vais faire le dessin que je connais le mieux, d'accord? Oh là. C'est pas ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, c'est très gros. Il va pas faire l'arbre. Non. Il va faire la centrale nucléaire. T'es un ouf. La maison. Ah ouais. T'as deviné ce que c'était pour l'instant? Bah tu l'as? Ok, mais c'est attends. Ce que je me demande pourquoi. Voilà. Je peux la laisser comme ça ou on peut essayer de la vendre plus cher. Là par exemple comment ça rajoute quelques euros. Il y a de la valeur là. Là ça commence à être vraiment pas mal. Là tu peux faire des oiseaux. Pas mal les oiseaux. Après on peut y mettre de la vie mais Attends, je peux me permettre. Vas-y, attends. Vas-y. Oh waouh. Attends. Non parce qu'on peut se moquer de ce dessin et là c'est en train de devenir une dinguerie donc on dirait voilà. Que qu'elle est toute fine. À part ça, peut-être que la perspective est respectée. Hein. Moi, j'ai pas l'œil. Hein. Je crame l'oiseau là. Voilà. Ouais, c'est plus propre. Hein. Mettez de la couleur. Bah, vous savez, on peut. Sauf que des fois, on est daltonien dans la vie et on cherche le marron notamment. Alors, un peu en dessous, c'est de marron clair et aussi là, c'est marron foncé. Bah, je le savais. C'est... Ah. Ah, on peut tout remplir. Oh non. C'est pas ça. Tu peux pas gommer tes merdes? C'est, j'ai peur de si je fais la poubelle, sortir tout. Poubelle, ça va tout enlever, non? Ça c'est quoi? On le laisse comme ça, on dit que c'est une signature d'artiste. Je ne sais pas ce que c'est. Merde. Oh putain, ah ouais, c'est pas, vrai que t'as vu, il y a le tableau qui se peint ah ici. Oui, c'est nice. Mais bah, je sais pas de peinture. Je suis pas sûr qu'on puisse remplir, du coup c'est chaud. Teste, mais ça, c'est, teste ça, va, poubelle, ça va être notre oh, style, oh. En fait. Regarde. C'est un style qui va être qui va faire fureur. Oh la vache. Ce sera connu comme un nouveau style de peinture. Regarde, je laisse un peu de blanc même. Le toit rouge. Ah oui, on est dans le nord de la France, là. Ouais. Hop. Non, la maison de Pinocchio, quoi. Elle est bien, hein. Oh, c'est beau. On devine toujours la perspective, c'est le principal. On mérite pas d'être dans ce garage. Hein. Porte la porte rouge aussi. Ah non. My bad. Hop. Oh, le repassage là, parfait. Voilà. Et l'herbe, très important, ça va rajouter de la vie à ce dessin. Ça, c'est du vert. Ouais, on est sur un vert plus clair que sur l'arbre, c'est bien, sinon ça aurait fait... Voilà, faut différencier les couleurs. Oh, bah la signature de l'artiste. Ah, en fait, c'est un bâton qui maintient l'arbre. Tout est résolu. C'est bon. on est bien, hein. Je vais pas faire tout le fond en bleu, parce que je m'en bats les couilles. Et la maison, j'ai pas de couleur de maison en tête, là, je saurais pas laquelle mettre. Non, mais là, c'est bien, hein, je c'est pense bien, là. Que...
Bon, à votre avis, ça part pour combien ça? Moi, je dirais 20 balles. 15, 4, 10, 5. 20 balles. Ah! Sur, sur le devant de la scène. Hein. Je peux pas le mettre. Je peux le mettre comme ça? Ouais, voilà, comme ça, on peut? Près de la caisse. Ah, voilà. Ah! Voilà, il est magnifique celui-là. Non. Ah, c'est ton œuvre, hein. Salut. Une vie paisible. Sûr que ça part. Regarde lui comme il est intéressé. Ah non. J'espère qu'il va l'acheter. Ah, Ah non. je peux me déplacer. Ah, tu peux Ah. peut-être faire. Qui veut mon tableau? Mon Qui veut tableau, mon la vie beau paisible! tableau? Ah. Ah, un clochard qui va peut-être être intéressé Vous par êtes l'œuvre? intéressé? C'est assez bien fait. 77 euros? Hey! Oh, c'est bien trop, monsieur! J'ai envie de l'accepter, Marchande, c'est. marchande, tu peux marchander? C'est quoi la Comme ça? balance? Ouais. Quoi? Encore? C'est moins bien que la première, non? C'est moins bien que la première, mais bon, ça a remonté. Adjugé vendu! Bon, il nous en avait proposé plus au début, je crois, j'ai oublié, mais. Bon, allez, ok. Qu'est-ce que je fais? Maintenant que j'ai 68 euros, qu'est-ce que Bah, il faut. je C'est pas que 68 euros que tu vas sortir de chez toi, hein. Ouais, je sais bien, mais moi je Ah non, m'attendais faut quand en même à refaire, pouvoir. hein. Faut Faut en refaire des refaire. œuvres. Ouais, faut en refaire, ouais. Ok. Alors, à moi. Alors. Comment ça marche? C'est. Ouais. Comment je maintiens? Ouais. C'est un bateau. Sur l'eau. Exactement. Je suis très fort. C'est une grosse lèvre. Fais deux yeux. Ah non, c'est un bateau! Ah, là, sa voile. Sympa. Voilà, tous les fans de One Piece te reconnaîtront. Ouais, c'est sûr qu'ils vont reconnaître, ouais. Ah, ça y est, là, ils sont contents, là. C'est vraiment un hommage au manga. Là, on comprend mieux Quoique, déjà. techniquement, attends, c'est un peu dans l'eau en Ouais, bateau. la coque est dans l'eau, ouais. Eh oui. Tu ferais pas le monsieur de One Piece? Luffy? Oui. Lui-même. Si, si. Tu sais, Luffy. Oui, voilà, lui. Avec ses. Il a quoi sur la tête? Un truc. Voilà. Voilà, chapeau. Voilà. Voilà. À mon avis, on va avoir des fans de manga qui vont se l'arracher, celui-là. C'est un beau chapeau, ça, hein? Il est beau, hein? Ouais. Oh, waouh! Une bonne utilisation des outils. Avec un soleil un peu obèse. Non. Ah si, ça, ok, je vois ça. Ah, c'est une belle œuvre, hein. Ah ouais. Ah, ça devient une scène avec plus de Eh violence oui. là. On sent une émotion qui se C'est. dégage. C'est la mer violente. Pour moi, ça, c'est une œuvre terminée. Pour moi, ça, c'est 80 balles. Oh, on va avoir bientôt avoir des factures, alors termine ton œuvre. Sur le bête. Le boat. J'avais pas pas de bateau, Luffy donc sur le ça sera. boat. Yo. Voilà. Alors, qui en veut? Alors, je peux en faire une autre d'avance, mais. Oui, tu peux. Donnez-moi un thème. Allez-y, je suis votre exécutant. Je ferai votre thème. Je prends les commandes en fait. Ah, on a pris des factures là. Le divorce.
si vous voulez, hein. Ça va pas être fou. Hein. Quoi? Ah, 48? Oh, quoi? Non, 58? Non. Je crois qu'on n'arrivera pas à aller beaucoup plus haut. Hein. Tu veux que je tente encore? 47. Réessaye? 51. Annule. 55. On trouvera un meilleur acheteur. Le mec, il est trop fier de son œuvre. Ah, ça me dégoûte, il veut même pas quoi. Non, c'est du au moins du 70 balles ça. Les fruits. Je peux faire une bonne. Ah, 100 balles! Putain, t'avais raison, je l'ai fait partir direct. Putain, mais c'est encore lui! Je vois que monsieur a du goût. Alors. Le fruit sur le boat a été vendu pour 98 euros. Putain, la classe. Je vais faire une coupe de fruits. Quel rapport avec le divorce? Non, j'ai abandonné le divorce. Je pense que c'est une œuvre où j'aurais besoin de plus de maturité. Ah. Tu fais une nature morte du coup? Ouais. Il y aura quoi dans ce bol de fruits? Il y aura une banane. Mmh. Oh, bien faite. Elle est bien, hein. J'allais dire le manche de la banane, mais non, ça ne s'appelle pas comme ça, mais ça doit avoir un nom. Mais là, je l'ai pas, là. C'est quoi ce petit bout de la banane, là? Comment il s'appelle? Bien verte. Mmh. Oh. Ouais, celle-là, elle va partir, hein, putain. On pourrait faire une orange, des petites clémentines. Oh, il est simple, oui, ce dessin. Une clémentine, ça. Voilà. Plus pas de remplissage, hein. On va remplir. Mais pourquoi on peut pas remplir? C'est vrai que c'est con. C'est débile, en fait. En fait, depuis le début, j'aurais pu faire des ronds comme ça. Oui. J'avais pas besoin de me faire chier. Voilà. Pas mal. Eh, hey, ça a de la gueule, hein, putain. Ça a de la gueule sur des fraises. Ah! Attention. Ça dépasse un ça peu. Ça dépasse hein. Un peu. Attention. Là. L'œuvre perd en qualité. Des petites fraises là. Oh. Oh là, la fraise là. Oui. Oh, oh là, elle est malade. Points. Oh, c'est quoi cette fraise? Attends, elle est malade. Elle est malade. Ah, mais je peux plus l'effacer maintenant. Non, bah c'est parti pour la fraise comme ça. Hein. Elle est belle, c'est une fraise. Voilà. Tu fais des petits points blancs dans la fraise. Ouais, comme ça on la reconnaîtra. Attends. Oh, c'est une fraise. Ouais, ouais bah c'est toujours un carré. C'est quoi. Toujours un carré. Hop. Oh, le manche de. Le petit manche de la fraise, on dirait un vieux champignon malade. Dessine en blanc pour effacer. C'est vrai que c'est logique, mais bon. On s'emmerde quoi. Oh oui, là, c'est vrai. Oh là là. Faut pas nous oublier. Putain, elle est belle. Oh. Et là, je vais remplir ce bol. Ouais, c'est une mission un peu périlleuse parce que les bouts sont pointus. Ouais, ça c'est là où la mission devient... Oh, le punk à chien, il veut nous acheter le bol de fruits. Tu veux le bol de fruits? Si tu veux, je le finis comme ça. Hein. Vraiment, hein. C'est toi qui vois. C'est une belle nature morte, là. Hein. Je trouve qu'elle est belle. Hein. Moi, je pense que ça part très... très... Oui, bah là, ça... Je me permets... Ah oui. Je sens que... Parce que celle-là, ah, j'en suis fier. C'est très minimaliste, du coup, la signature. Voilà. Ça intéresse beaucoup de monde, je pense. De loin, je la trouve pas mal. Le divorce. C'est très conceptuel. Voilà. À toi. Ah, attends, il le veut combien? 139! Eh hey. Je négocie ou j'accepte? Encore une petite négo? Oui! Oh 161, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? C'est bon. Ok. Franchement, c'est bon. Attends, dis-donc de faire un test. C'est vraiment notre client fidèle, quoi. Ouais, bien vu le test. Effectivement, ça efface tout. Le divorce a été vendu pour 161 euros. Vous avez débloqué un nouvel outil. Ah oui, c'est une bombe de peinture? Ah! Oh, tu peux graffer! Oh ouais, ça va être sûr. Tu peux faire un gros graphe. Oh là. Ouais. Pas bête de faire un fond d'abord. C'est plus facile après. Tu fais un drapeau LGBT. C'est vrai que ça pourrait ressembler. Tu peux hein. Ça se vendra. Je sais hein. Pas, je m'imaginais autre chose. Ok. J'ai hâte d'avoir le titre. Franchement,
Ça reste pour moi plus un drapeau LGBT. Ah, les factures ont été payées, on a de l'argent, on a 337 euros. Qu'est-ce qu'il me propose? S'agit-il d'un dessin de mes enfants? C'est quoi? Oh, il a pas kiffé! Attends, est-ce qu'on peut commencer à aller vers l'art snob en mode. Genre, coup de génie. Genre, génie. Voilà. Le coup de génie. Et là, tu dis. Hop, paradoxe. Et là, ça casse un coup de génie et ça part pour 300 balles. On verra. Putain, par contre, je suis un peu déçu, notre client fidèle n'a pas voulu de... Non, connard. De ton Burger King. Pas merci au client fidèle. Ah. Il revient. Ah, il revient. Un autre avis, peut-être. Il y a repensé. Connard. Va te faire foutre, allez. C'est... Ça te plaît pas? J'aime bien voir le mec en fond se dessiner, regarde. Ah, 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 je l'inspire là. Hey. Ah, ah. Qu'est-ce que... Sans effort. Mais c'est oh. Pas vrai. Tu comprends rien, t'es un clodo là, casse-toi. Laisse venir, voilà, monsieur avec vos baguettes. Le bobo parisien là. Voilà, lui il en veut 14 balles. Bon, fais peut-être une négo. Plus quand même. 15 balles. Bon, écoute, on l'a pas fait pour rien au moins. 18. Oh, c'est bien monté. Ça part. Moi je la trouve très sympa cette peinture. De l'originalité s'il vous plaît. Mais ils comprennent rien. Plus tard ce tableau on apprendra qu'il valait des millions. C'est quoi cette cacahuète avec des cheveux? Oui, c'est une cacahuète avec des cheveux. Ah c'est vraiment... J'ai deviné en fait. J'ai vraiment oui, deviné quoi. C'est une cacahuète avec des cheveux. Ouais, une grosse vulve. Allez, la cacahuète. La belle cacahuète. Ah bah là on est plus intéressé mon salaud hein. Ah là tu kiffes hein. Ah le Burger King on voulait pas parce que tu vas payer plus cher. Bah, voilà. Allez. Bon y a pas une poubelle pour mettre mon point. Non mais y'a bien quelqu'un qui va le vouloir au bout d'un moment. Personne n'en veut. Chier. Bon alors. Qu'est-ce qu'on se fait là? Faire un visage. Il va être beau, hein. Ouais. Un buste. Pas mal. Oh, attention, on est sur Twitch, hein. c'est un homme. Attends, ok. Maggie était très snob vis-à-vis de ton art. Ça va qui aussi. La dépasse. Attendez ma prochaine œuvre, vous comprendrez. Hop. Où est la putain d'originalité, mec? Mais putain, en plus, il me parle mal, c'est impressionnant, hein. C'est des beaux gros yeux. Oh, il est bien, hein. Vraiment, je donne tout. Oh. Il est gentil. Ah là, il est Regardez-le. Beau. Hein. Okay. Hop, et après, regarde. Il commence de plus en plus à ressembler à un vieux troll des cavernes. C'est Gollum, hein. Il ressemble de à rien, ça me saoule. Qu'est-ce que c'est? Il a un chapeau. Ah, hop. C'est un petit chapeau. Il a un chapeau. Luffy. Non, c'est pas Luffy. Et il a des cheveux. Ce sera un monsieur. Monsieur blond. Qui a des petites touffes de cheveux là. Ah oui, vraiment très peu de cheveux quoi. Juste ça sort un peu du haut du crâne et c'est tout quoi. Mais putain, vous allez me l'acheter mon point? Un peu d'authenticité. Hop. Oh, oh. Les poils sortent aussi des oreilles et du nez. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il veut de plus? Il va avoir des beaux yeux bleus. Attends, j'ai jamais essayé de faire des yeux normaux. Genre avec un vrai iris et une vraie partie genre blanche. Ah bah voilà pourquoi t'essayes pas. Attends, je vais essayer de faire... Je vais... Merde. Alors faudrait que... Oh, un truc comme ça. Ouais. Avec le blanc des yeux...
Oh, j'en sais rien, merde. Oh, le blanc des yeux. Le blanc des yeux, il est bien là. Ah ouais, là, il est pas mal là. Ouais, j'ai pas peur, allez, le mec. C'est bon là. C'est conceptuel. Les trous de pif. Plus on met de détails, plus les gens vont être intéressés, ça c'est vrai. Ok. On est pas mal, hein. On est pas mal. Putain, les deux trous de nez alors qu'il est de profil son nez. Il est. Oh bah c'est mignon. Il est sympa. Là tu l'appelles un pédophile multi. Il a trouvé. Criminel. Achète ma putain de toile par pitié. Oh bordel, j'en ai trop marre. Toi, la toile elle partira plus. Hein. Mais non, mais ouais. Moi je pense que j'ai trouvé mon cœur de cible hein, quand j'ai fait l'origine du monde, là, remake. Il a pas de faire une queue, non plus. Un acheteur, alors je pense que. Je vais trouver. Tu vas faire une cacahuète ? Non, je vais partir sur autre chose. Nul, bah putain. Il l'aime vraiment pas. Hein. C'est. Attends. Mais je vois à peu près. Non, c'est pas ce que tu crois. Enfin, non, mais non. Ça va pas forcément être mieux que ce que tu crois, mais. Ouais, ça commence vraiment à être ce que je crois. Non, mais non, attends, c'est, je sais même pas où je vais, attends, mais ce que. Mais lui, je des sais yeux, ce que je veux, brise mais... ce sortilège. Ok, il devient pointu. Non, c'est de pire en pire. Mais non, mais c'est... je te jure que c'est pas ce que tu crois. C'est juste que là, je l'ai super mal fait. Qui mais l'a pointu ici? Attends, mais non, attends. Bon, là, faut que je me concentre. Ouais, comprendre, à mon avis, faut que tu te concentres. On peut lui mettre un petit collier, ça change rien. Mais non, mais. Putain. Ah, je crois que ça y est, c'est bon, je crois. Ouais, c'est bon. J'ai compris. Non, mais j'ai compris, c'est bon. J'avais pas compris. Bon, après, quand on voit un truc, on arrive difficilement à s'en défaire, hein, c'est pour ça. Ah, il y a très long coup. Hein. C'est magnifique. Oh, c'est sexy. Oh, ça me rend. Que ça va se vendre. Ça me rend toute chose là. Tu veux pas mettre un petit truc qui pointe là? Attends. Un petit trait en plus. Attends. Voilà. Là, on parle. Y a rien de vulgaire en plus. Hein. C'est juste un magnifique corps. Un magnifique corps de femme. Voilà, franchement, c'est y a tellement celui-là, de charme. Il va partir. Je suis étonné que le mien soit pas parti, ça ne me semble pas original. Rose. Tu crois que le jeu est entraîné à avoir un visage moche avec un chapeau et des cheveux? Peut-être. Je suis dégoûté. Oh, qu'est-ce que je vais foutre, moi? Oh, c'est bien gros, ça. Pourquoi tout... personne veut acheter nos tableaux là? Je sais pas, ils les détestent, vraiment ça me dégoûte. C'est... Je suis pourquoi... sûr que Josette ça part à 200 balles. Hein. Pourquoi peins-tu sans passion? Vraiment des cons hein. Oh, nuit étoilée. En blanc. Tellement fade, mais casse-toi Maggie, regarde ton look, c'est ton look qui est fade. Non, en fait. Il y a un vrai boulot, faut faire les choses sérieusement. Il est énervé le peintre à l'arrière. Personne n'achète mes tableaux. On va faire. Mais bon, le problème, tu vois, c'est là où on vend. Nos œuvres, elles sont censées être exposées dans des galeries prestigieuses où les gens comprennent l'art.
Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure avec le point. Les gens ne comprennent rien en fait. Les gens ne comprennent rien. Et c'est un vrai problème. C'est un roquette nucléaire ? Oui, enfin, plus ou moins. C'est une. J'avais plus en tête une fusée, mais. On va la faire toute belle avec des rayures. Un peu à la Tintin, mais pas quadrillée. Oh, je vais me faire chier. Attends, je vais faire avec facture ça. En approche. Non, mais attends. Eh, c'est pas le moment pour les factures. On est un peu là, occupé on galère à remplir. On a un peu mais des problèmes. C'est vraiment la fusée de Tintin là. Non, elle est pas quadrillée, c'est pas un plagiat. Ça n'a rien à voir. Merde. C'est trouver Charlie la fusée. Ouais, si tu veux. On dirait qu'elle a une écharpe pour Noël, ta fusée. Elle est trop moche, on dirait. On dirait un jouet horrible. Oh, wow. Elle est belle. Elle est très belle, ma fusée. Vraiment, là, je suis refait. On peut lui faire du flamme qui sort de derrière. Ça fait rouge au début, orange ensuite, jaune à la fin. Ok. Oh, on sent la puissance, regarde le peintre qui... Regarde, ah essayez d'en faire. Voilà, pas mal. Et là, c'est là où ça commence à devenir... Non, tu étais au-dessus. Alors... Non, non, au-dessus. Ça, c'est orange, voilà. Ça. Oui, nice. C'est orange. Ça fait plaisir de l'apprendre. Moi, je serais toi. Attends, je repasserais, pour éviter le côté écharpe, les contours de la fusée en noir, pour gommer le côté arrondi. Ouais, là, on sent que l'artiste a dépassé et c'est pas ce qu'on veut. Voilà, donne-nous cette impression quand même de... De produit fini là. Voilà. Oh, tu m'auras appris un truc aujourd'hui. Je ferai toujours ça sur mes dessins. Personne n'achète nos œuvres. Oh, c'est la S. C'est vraiment la S là. Y'a plus rien là. On est pauvre et sans le sou. En fait, est-ce que les gens ont perdu confiance ou est-ce qu'au début on avait vraiment un talent qu'on ne comprenait pas? Mais pourquoi ils ont arrêté du jour au lendemain, c'était pas mal. Oh, c'est quoi ça? Oh, la lune. Oh. Ouais, franchement, je peux pas non plus tout faire, quoi. Voilà, elle s'envole dans l'espace. C'est pas mal, c'est beau. Ah non, mais c'est celle qui se dégage le plus. Ça et Josette. Comment il s'appelle? Thomas Pesquet. Thomas Pesquet. Eh, par contre, y a plus rien qui part. Tu crois que c'est parce qu'il faut qu'on enlève le point et... Mais on peut même pas les enlever en fait, non? Ah, la fusée, elle est une belle offre. Ah! En même temps, j'en étais assez fier. On va marchander une fois. 98, allez, on part. On vend plus rien, donc... Quoi? Ah oui, d'accord, on peut effectivement les jeter. Mais j'avais pas trop envie de jeter le criminel. Je trouvais qu'il le avait criminel, un intérêt. Il va partir au bout d'un moment. Le point, en revanche... Le point, celui-là, il ne trouvera pas J'abandonne. Preneur ici. J'abandonne le point. Non, mais là, par contre, je peux pas croire. Sérieux. Belle chouette. Franchement. Des bouchloutes comme ça, c'est là. C'est pas possible. C'est peut-être à cause du nom. T'avais mis quoi comme nom? Josette? Non, c'est Josette. Bien Josette. Non, Josette. C'est bien okay. Josette. Attends. On a peut-être... Peut-être des wonky de fans parmi les acheteurs. Ouais, ouais, c'est possible. Je comprends pas, j'ai fait des tableaux bien pires au début, dont une maison avec un arbre. Et il s'est vendu. Oh. Bien épais quand même. Oh, on a chié sur une banane. Le bout est très épais, la bordel. Ouais, ça va, ça donne un effet plus carré. C'est... On est mieux. C'est très pop ce dessin. Envie de l'avoir chez moi. Elle est inversée. C'est comme ça. Tant pis pour vous. Non. Quoi que inversée.
Tu es même pas sûr? Non, elle est comme ça. Vous croyez que vous allez apprendre mon logo, je sais le faire quand même. Pas de l'autre sens. Ouais, j'avoue, elle est inversée. Mais non, attends, elle est... Il est possible qu'elle se vende pas du coup. Bon, tu sais, je peux pas faire une symétrie horizontale. Merde! Ah, les gens. Des couleurs trop folles pour moi. Ouais, non, mais sans c'est déconner, n'importe tu... quoi. Vraiment, en gros, l'algo, c'est. T'as mis trop de rose et du coup, il se vend pas quoi. Écoutez, genre, on peint une femme nue, il va pas se vendre parce que c'est... elle est trop rose. C'est quoi ça? Wank. Oups. Ça veut pas dire la même chose en anglais. Il. Nice. Nice. Merci pour la Oups. Capture. Ça me fait plaisir. Hein. T'auras un souvenir. Ça me fait plaisir. Utilisez plus la bombe de peinture. Ouais, peut-être que le jeu s'attend à ce qu'on évolue là-dessus. Ça fait quoi? Ah ouais, bah... Attendez... T'as fait une peinture, mec, mais t'as pas fait de l'art. Ils sont cons ou quoi? Avec la bombe de peinture... J'avoue que... Je vais faire une... C'est toujours l'outil le plus nul de tous les logiciels. Je vais faire de l'abstrait. 138. Attends. Ah bah voilà. Augmente un peu. Oui. Bah voilà, voilà, ça, les Wonky fans. Ça va payer les factures. Hein. On va faire une montagne enneigée. C'est le Mont Fuji. Ce sera quand même de la merde. Hein. C'est une montagne à la merde pour l'instant. Ouais, elle est à chier. Il a aucune force. Je peux pas presser plus. Ouais, j'essaie d'appuyer très fort sur ma souris. Ok. En haut, il y aura un bandeau de neige. Oh, c'est beau, hein. C'est beau. Et là, on dirait vraiment de la neige, d'où l'intérêt de la peinture, quoi. Voilà. Il y aura des petits arbres. Ah, je pensais que t'allais les graffer. Parce qu'on part d'un style un peu pointilliste. Je peux. Qui se mélange. Ouais, t'aimes pas la fusion des genres. Non, moi j'aurais plus, tu vois, à la Hitler, vraiment. fait quelque chose de plus pointilliste sur toute l'œuvre. Ouais, alors on en a pour 3 heures si tu comptes faire chaque coup. Tranquille. Y'a aucun problème. Et donc toi, vraiment, tu t'es dit les arbres. Je vais les mettre au sommet, là où il n'y en a pas. Mais là on voit là pas, ils sont plutôt on les censés... verra pas. Oui. Regarde, tu... on les voit pas. Dis, attends. Vraiment le mieux c'est de les mettre là. Ouais, le mec il graffe mais il continue à faire des trucs. Hop, voilà. Et là il y aura une grande prairie en bas. J'aime beaucoup le drapeau par contre, on va pas se le cacher. Il est bien. Oh, bah là, bah tu sais quoi, il a son style. Elle est pas dégueu ma peinture. Le drapeau fait tout pour moi. Le drapeau est cool. Elle est pas dégueu cette peinture. Je dirais que pour l'instant c'est la peinture la plus belle qu'il y a eu ici. C'est le sens très fier. Sublime. Ouais bah écoutez, non mais ça, en vrai ça a un style hein, bon. Le coup de génie. Ouais, très propre. Et le punk là, fais appel à ta sensibilité. Il va pisser dans le coin du mur là ou quoi? Il va pisser sur notre lit. C'est ce qu'il veut là. On ne sait plus quoi faire, on a exploré beaucoup de thèmes. Hein. Je vais, l'espace, je vais continuer sur le spray. La mer, les pirates, les femmes. Trop terne, putain j'ai cru qu'il parlait de... Eh on peut pas éditer les tableaux? J'ai trop envie de... Qu'est-ce que tu fais après? J'ai trop envie d'arranger ta poitrine, de faire je sais pas un truc... Tu touches pas à Josette? Josette il faut lui mettre un peu plus de... Tu commences par toucher à ton criminel. J'avoue, cet artiste me comprend. 47? Non,
47, elle est malade ou quoi? Plus. Mais bien plus, elle casse les couilles. Elle est sérieuse, refuse son offre. Je la déteste. 63? Ouais, vas-y. Putain. Notre meilleure œuvre. J'en ai même pas fait de capture d'écran, je suis dégoûté. Le coup de génie a été vendu pour 63€. Bah ouais, ouais, ouais. C'est ça le problème, quoi. C'est un mouton? C'est des fantômes, hein? Ouais. C'est des esprits! C'est des esprits de moutons! Je suis mort! C'est des vaches! Oui. Oh ouais. C'est bien le brush comme ça parce que t'as pas à te faire chier sur les détails. C'est juste, voilà, on devine et c'est ça qui est bien. des trackers, hein, ça va. Ah, oh, je suis deg pour la poitrine. Sure, tu fais la poitrine en spray, tout le monde est content, quoi. T'as un coup de poing sur les 10 bars. Ouais. Si les gens trouvent qu'il y a trop de roses, c'est terrible, hein. T'avais qu'à lui faire un décolleté un peu moins plongeant et ça passait très bien. C'est dommage. Bah oui. Non mais on va la censurer, hein. Ouais, ouais, bah ouais. Et quand est-ce qu'on upgrade? Quand est-ce qu'on a un vrai salon? Parce que là, on est un peu comme des clochards. Hein. Bah ouais, c'est très grave. Nous, on veut avoir une carrière. Nice, je vois pas ce qu'il leur faut de plus. Hein. Petite scène de campagne, quoi. C'est magnifique. Bah, on donne tout, quoi. Je veux dire, je me permets. Non, putain, j'aurais dû le faire pour la mienne. Elle était incroyable. Nice. Alors? Alors, non. Sur quoi il va partir? Le fait que ce soit pas, que ça presse pas assez, m'agace. Non mais là... Oh, 207. Attends. Putain. Ma scène de... Vas-y. Ouais. 233. Oh. Non. Oh. Oh. Oh non. Non. Je refuse. Oh le bâtard, je refuse. Ça se trouve tu retrouveras jamais cette offre. Attends, 237€. Par contre je voulais... C'est en train de partir en couille là. 180. Il veut refaire une offre. Augmente. Encore? Encore. Ok, c'est voilà. Bon. Voilà. Là, c'est 240€. Là, c'est bon, là. Je sais plus quoi faire. Attends, j'avais une idée, mais je sais plus comment la je faire. Je cherche depuis tout à l'heure. Hein. Non mais je en cherche fait... ce que tu es en train de faire. C'est la tour Eiffel, mais genre je l'ai trop foiré. Oh la vache, la tour Eiffel. Ouais, elle est horrible en fait. La je tour veux Eiffel. Faire... Je veux faire les pieds là, mais je sais même pas comment faire. Ce tableau est en train de mourir. Ouais, ça fait un arc en bas, non? Non mais là y'a rien qui va, même le haut ça va pas non plus. Bah non, regarde, elle est là. Elle ressemble, non? C'est la même, hein. C'est catastrophique. Elle ressemble de ouf. De toute façon, elle va se vendre énormément. Après tu fais des immeubles. Putain mais elle...
c'est leurs broches, ils servent à rien. Non, ça broche pas grand chose. C'est vraiment de la merde. Hein. Oh, alors c'est autant je comprends que le tableau, le criminel ait du mal à partir, autant Josette. Alors, Josette, je ne comprends pas. C'est juste l'algo. Hein. T'as pété l'algorithme. Il faut lui brocher. T'as pété l'algorithme. Genre il comprend pas. Il y a trop de roses. C'est la vie. On va voilà. Voir si on peut faire quelque chose. Ça, je sais pas comment l'arranger. Ça fait une arche. J'en sais rien. Voilà, je ne sais pas quoi faire avec cette tour Eiffel. Non, mais on reconnaît tout à fait la scène parisienne. Voilà. Pas mal. Il y a quand même un grand écart. Hein. On dirait belle, qu'elle a un taille gap la tour Eiffel, mais ouais. Parfaite. Elle est parfaite. Et elle va partir comme ça. Ah ouais, voilà, il n'y a rien à lui dire. Hein. Moquez-vous. Vous allez voir. Oh non, ils vont dire qu'elle est trop terne. La dame de fer. Est-ce qu'on peut modifier un tableau du coup? Je sais pas. Mais je crois pas, non. Non. Ah non. Allez, putain, c'est bon. Moi j'ai fait mon deuil, à toi peut-être de le faire. Voilà. Non, non, je maintiens qu'elle va finir par partir. C'est pas possible. Pas original? Oh, elle va pas partir. J'en ai ras le cul. En même temps, la catastrophe du bordel. J'en ai ras le cul. J'ai trop le seum. Mais on peut pas faire un giga clutch, genre il y a une peinture, elle part pour 1000 balles et là notre vie elle est transformée. Le rose craint. Ah, c'est... Mais pourquoi le rose, ils veulent pas de rose? C'est quoi ce jeu de merde? On a le droit de faire du rose sur une peinture. Oui. Donc je comprends pas là. C'est très grave, hein. Franchement. C'est bon, je l'ai. Je voyais un gros curly là. Je sais. Putain, ma tour Eiffel va pas partir. On a fait des trucs bien pires que ça au début, hein. C'est terrible. Oui, c'est n'importe quoi. Je comprends pas. Non. Non. Oh putain, non, pas possible. Oh, il l'a fait. T'as déjà vu le compte Twitter de Titeuf? Ouais, j'ai déjà vu. Il est assez gênant. C'est géré par que de personnes âgées. C'est un peu gênant, j'aime pas trop. Là, normalement, ça part, ça. Ah! T'as vu? Direct, hein. Mais pourquoi? Bah... Je comprends pas. S'agit-il d'une contrefaçon? Non, tu vois, moi le mien est tellement bien que les gens pensent que c'est une contrefaçon. Ça peut pas être un manet, c'est impossible. C'est vraiment genre, c'est... Putain. Bon. J'avoue, fais la Joconde. La Joconde? Essaye de refaire vraiment la Joconde. Tu regardes la Joconde comment elle est faite, t'essaies de la refaire. Je prends un modèle. Après, si j'ai un modèle, c'est facile, elle va être extraordinaire. Je vous préviens direct. Ouais, ça reste un dessin à la souris. Hein. C'est facile, quoi. Voilà.
Déjà, je reconnais. Elle a un plus grand front, c'est déjà raté. Non. Ça se passe mal. Faut pas attaquer ton effet dans les yeux. Ça se passe mal. Ça ne marche pas. Elle a pas de sourcils, c'est sa particularité. Ouais, je crois. Ouais, elle a vraiment donc pas de sourcils. Par contre, mais tu vois, j'aimerais faire les ombrages et tout. Elle a un peu de cernes et tout, mais je ne sais. C'est quoi ça? Mais c'est vrai que t'as réussi à reproduire ce dont on a l'impression quand on regarde cette œuvre, c'est qu'elle nous suit du regard, peu importe où on est dans la pièce. Et on arrive à le ressentir là avec son tableau. Et là, on le voit bien parce qu'elle louche terriblement. Du coup, ça se voit bien. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est un nazic, la Joconde. Oh là là. Oh là là, le long nose. Elle a une petite bouche toute fine. On dirait qu'elle est un peu contente. Elle est plus espiègle que dans l'original. Elle a un voile. Pas mal ça. Pour l'instant, on dirait juste l'un des deux mecs de PNL, mais pas mal. Là, on est bien là. Ok. Là, elle a comme ça. Là, ça plonge là. Ça plonge. Oh la bigade. Tranquille. Vous commencez à comprendre? Moi, j'ai pas encore là. Si, ah ouais. Bon, si, t'inquiète. Oh! Je vois qu'on adopte le style Joseph. Y'a un mec qui s'est étranglé devant ta peinture. Elle a pas de voile, ce sont ses cheveux. Bon, alors là, mes couilles. Comment ça, elle a pas de voile? Elle a un voile. Non, mais on est où là? Vous êtes bête ou quoi? Ça s'agirait de revoir ses classiques, laisse-moi vérifier Google Images. Mais si, elle a un voile, il est léger, mais elle en a un. Sans les ombrages, il va falloir faire deux trucs différents. Là. Compliqué là. C'est vrai que pour l'instant, on dirait Lord Farquaad. C'est qui? Dans Shrek, le tout petit roi. Oh merde, putain, mais c'est. C'est dur. Lord Farquaad. C'est dur, oh. Ouais, ça va partir cher, hein, je peux vous le dire. Ça va partir très très cher. Non, si tu veux faire l'effet voile, tu peux faire le spray en bordure de ses cheveux. Ça fera cet effet voile. Ah oui, c'est vrai. Oh, ça va être... Si je fais les doigts en détail, ça va être boudiné. Bon, vas-y. Oh, les tartines à la place des mains, là. Oh, les... Putain, non. Elle a des grosses Wolverine. Griffes. C'est Wolverine, j'ai trop le seum. Ah, je m'attendais à mieux là. Attendez, il y a la deuxième main qui arrive plus tard. Voilà. C'est bien là, on a la pause déjà. Il y a de l'idée quoi. Elle est moche, la Joconde. Je crois que t'allais parler de mon dessin, j'étais vraiment... Non, la tienne était bien, mais... Objectivement, la dame de la Joconde, elle est moche. Elle est pas ouf, non. Elle correspond pas forcément à notre standard actuel. Non, peut-être qu'à l'époque, c'était une frappe. C'était peut-être la Kim Kardashian de l'époque, on sait pas. Hein. Bah voilà. Personne n'en veut de ta merde de Tour Eiffel. Hein. Après... Je vous emmerde. On va dire qu'elle est en gris en dessous, que sa robe est en gris parce que... Non, elle va continuer. C'est une robe, elle va continuer comme ça. Ouais, c'est vrai, il faudra que tu fasses... Imite la signature de Picasso. Tu fais un faux. Attends, il y a pas de signature sur la Joconde? Non, mais t'en fais une, ils sont trop de bons cons, ils vont y croire.
Ah, c'est des punks à chiens et des SDF qui achètent le talo. Je vais mettre LDV. LDVC. C'est à quoi LDVC? Léonard de Vinci. Ah, moi j'aurais préféré que tu dises Picasso. Je pense qu'il aurait signé comme ça. Bah je crois qu'on est pas mal. Elle a tout un voile, une couverture là, mais... Je pense qu'on est bien en vrai. Vous l'auriez reconnu là, non? Je peux aller plus loin en faisant... Des cheveux là... Attends, c'est quoi ça? Normalement c'est ses cheveux. Non mais là maintenant on dirait une crémière. C'est la visière de sa casquette. On fait un truc pop culture, tu lui mets une casquette McDo. Si tu veux. Je le fais. Bah ouais, t'as fait, c'est bon. Foutu pour foutu. Ça part. Alors là. Oh là là, revisité, je suis désolé. Une photo. Elle est parfaite. Et le fond, on va prendre une teinte. Hein. Parce qu'ils aiment pas quand il n'y a pas de fond. Il y a une teinte qu'on n'a pas trop utilisée. C'est quoi ça? C'est du marron foncé. Mais là, le fond, ça marche pas. Non, attends, je vais. Oh là. Ah bah, c'est... non, bah trop tard. Oh là. Là, en fait, c'est foutu, je t'explique. Merde. Je voulais sprayer le fond, mais tant pis. Ouais. Voilà. Y'a rien. Y'a rien ici. Voilà. Hop. Y'a rien. Elle est superbe cette photo. Voilà. Ouais. Oh, attention, attention. Putain, tu vas. T'inquiète pas, tout est géré. Imagine un coup de pinceau sur la peinture là. Aucun problème. Voilà. Oh, et voilà la casquette mangée. Elle est belle. Elle est belle. Non, y'a aucun problème. Elle est magnifique. Maxi Joconde. Voilà. Franchement, si ça part pas, elle me casse les couilles. J'ai mis tellement de temps dessus. J'ai tout donné. Bon, tant qu'on a de la place, on peut exposer. Ah ouais, t'as raison, on sait jamais. C'est important. Oh, 801 euros. Oh, l'algo. L'algorithme. Effectivement, plus tu passes de temps, plus... Attends, j'augmente. Il a reconnu la Joconde. 868, qu'est-ce que je fais? En vrai, ça part. J'augmente pas? Ouais, vas-y, on va s'acheter un nouveau garage. Bah, wow. On a l'argent pour. Quelqu'un d'important prévoit de bientôt venir. Tu m'étonnes. Quelqu'un d'important? Qu'est-ce qu'on fait comme œuvre pour quelqu'un d'important? Fais merde. Une peinture ultra connue pour la vendre okay. 900 mais balles. Qui est pas trop compliqué. Attends. Le radeau de la Méduse. Fais Van Gogh avec un spray. Genre un spray. Tu prends le spray, tu fais un autoportrait de Van Gogh. Ouais, en plus il a un style qui pourrait correspondre presque au spray. Bah ouais, y'a moyen. Alors. Prends celui que tu veux. Bah je vais faire grosse barbe là. Grosse barbe rousse, gros cheveux roux là. Le cri, ah tu peux faire le cri aussi. C'est plus facile. Oh le cri ça. Ouais, attends. Ah c'est plus facile le cri avec du spray là. Quoique dans le détail ça va être dur mais. Non mais je peux juste faire tout le cri. Ouais. Ou... Non je vais faire la nuit étoilée. La nuit étoilée ça va être plus facile. Vas-y. Oh, par contre le gros boudin au milieu, j'étais pas obligé. Oh. Oui c'est plus facile ouais. Une nouvelle marque de chaussures pour chien vient de sortir, rien à foutre. Enlever les tableaux moches pour le mec important. Les comptes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je ne viendrai plus ici. Là il me faudrait du... Ouais ça peut marcher. En vrai on va le reconnaître.
J'espère que le jeu va... Mais du coup, c'est vraiment en fonction du temps passé, tu crois? Ouais, beaucoup de gens ont dit que c'était en fonction du temps qu'on passait dessus. Tu peux faire une grosse merde pendant une heure et... Ma tour Eiffel, j'ai mis longtemps. Hein. Pourtant, ils sont pas moches, ces tableaux. Ah non, non hein. Ils sont pas moches ah non, du mais tout. Non, ils sont même vraiment bien. Ils sont très très bien, ces tableaux. On dirait un enfant de 6 ans. Va dire ça. Va dire ça au vrai peintre. Ça commence toujours comme ça. D'abord moquer, ensuite ouais. Aduler. Regarde. Au début, il peigne comme ça. Après, il ajoute les détails. Soyez patient. On l'a déjà reconnu. Hein. Vous l'avez. Hein. Oh là là, et là ça y est, le coup de génie. Et là vous l'avez, ça y est. Et là c'est le coup de génie, voilà, c'est tout simplement le même tableau. Oh, il va même jusque là. Là c'est... C'est parti. C'est quoi le tableau le plus cher du monde? C'est la Joconde? Du monde? Je sais pas si c'est pour le volet. Oh, il est horrible, c'est celui-là. C'est un truc un peu joconde, mais moche. Le Salvator Mundi, il est horrible. Affreux. Mais c'est super beau. Ils vont tous dire que c'est une contrefaçon. Mais non, mais non, mais non, pas possible. Regardez, il y a une réinterprétation ici. Le secret, c'est le spray. Au pire, c'est comme... Je peux peut-être l'adapter. Tu peux ajouter un détail, comme la casquette, probablement ouais. McDo, qui a tout changé au niveau du prix. On voit qu'il y a un ajout, mais on sait pas trop où. On sent qu'il y a quelque chose de différent, mais difficile on de dire quoi. A voulu rajouter, attends pas que je rigole. C'est bizarre. Quand tu regardes de loin, tu vois un truc différent. Tu me fais dépasser. Putain. Comme si c'était important. Comme si ça rajoutait quelque chose. Oh waouh. Ah, alors il est beau là, de loin. C'est magnifique de loin. Tu l'as pas signé. Brillant mec, 146 balles. C'est tout. 146. Bah, c'est nous qu'on a mis 100 balles, je comprends pas pourquoi. J'ai fait une copie conforme de Van Gogh et on après, me donne 146 balles. Au moins il se vend, tu vois. Non mais non, casse-toi de là la clochard. Au moins il se là. Vend, hein, je te dirais. Je vais faire un truc dans le genre de Picasso, ça va forcément partir. On va partir sur un fond... C'est un beau fond. Un beau fond. Hein. Ah, le coin en haut à droite va me stresser tout le long. Il va pas le combler. Hein. 556. Voilà, Steve. On commence à parler business. Tu vas me faire la négociation là? Oh! Non. Non. Négociation nulle. Nulle. Non. Non. Arrête tout. On connaît maintenant sa valeur. On connaît maintenant sa valeur. Je peux monter à plus de 550. Ok.
qu'est-ce que tu... J'ai aucune... C'est un dinosaure que tu... C'est du... Ah, tu fais du Picasso, là. Je fais du Picasso. Reconnais. Ouais, je reconnais le style. Je sens que je suis en train de trouver quelque chose. Oh oui, il y a quelque chose de picassesque. Ça me picasse la tête là, c'est magnifique. Bon là on dirait un dinosaure pas content mais... Oh, ton tableau de Paris il a dit c'est de la merde conformiste. Non, c'est pas vrai. Ouais, je suis pas sûr de mon bail. Oublie pas, chez Picasso, il y a un peu de perspective parfois. Ah ouais? Ouais, des fois il a des notions de perspective. Elle est belle, il y a quelque chose. 148, casse-toi la clocharde. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Non, mais à chier, dégage. Non, bah, elle montrera pas. Dégagez, hein. Vous êtes pas dans le. Vous comprenez rien. Putain, mais j'aurais dû faire full couleur. C'est des couleurs, hein. Parce que là, là, le problème, c'est que... Ça va être compliqué de remplir avec le problème, ça. Ouais, je suis foutu, en fait. Ouais, là, t'as pas le type de peinture. Hein. Oh, là, ça va être long. Je suis foutu, là. Attends, on va faire ça comme ça, mais c'est foutu. C'est bien, hein, ce que t'as fait. On l'a tous fait sur Paint quand on avait 6 ans, mais c'est Arrête, bien. Arrête, tu sais pas de quoi tu parles. Tu n'as aucune idée de quoi tu parles, puisque c'est magnifique. Franchement, je suis refait. On dirait Picasso qui a peint un comptable. Au final, ça va être extraordinaire. Attendez. Regardez tout le monde. Rendez-vous compte. Guernica revisité. Franchement, c'est magnifique. Je sais pas pourquoi je prends telle couleur ou telle couleur. Ok. C'est vrai que c'est Picasso version Big Flo Oli. Ça fait très visionnaire comme... Ah ouais? Comme œuvre. Ça fait très... Ça ferait une excellente pochette d'album, je trouve. C'est vrai, ça faudrait leur proposer. Ouais, je vais leur envoyer, je pense. Pour le prochain, les gars. Les gars, on sait pas quand est-ce qu'il sort, mais si vous voulez une pochette, après, elle est faite. Je peux le refaire au propre, hein, bien évidemment. Sans là, dépasser, c'est... bon, on vous le refait, ça coûte pas grand-chose. Là, c'est juste pour montrer un peu ce que ça pourrait donner, quoi. C'est quoi l'offre? Elle est à chier. Ouais. Non, c'était à chier. Putain, mais l'autre, c'était combien? 500? Nous ouais, le faut, 550 hein. Il nous le refaut, celui-là. Ce serait dommage de passer à côté, là. Mais on a beaucoup d'argent, on peut pas se permettre de louer quelque chose? Oh! Négocier un coup? Oui! Vendu! Vendu! Et voilà! Ah, et l'expert va arriver pile pour ma plus grande œuvre. Je suis très content. Ouais, d'ailleurs, je me demande quand est-ce qu'il arrive, ce con. Ok, bon, on finit ça. Hop. Je suis pas peu fier. Oula. Pas peu fier du bazar. Voilà. C'est bientôt fini, hein. C'est un travail de longue haleine, hein. L'artiste s'est donné du mal. L'expert arrive. Ah, il va pas être déçu, l'expert. Voilà. Oh, elle est fatiguée, l'œuvre. Picasso. Ouais, elle se démarque, hein. Sympa. Comment on pourrait appeler un album de Big Flo et Oli? Oh putain. Un truc sur l'enfance, ouais.
Le bonnet d'âne. Un truc sur l'enfance. Bonnet d'âne. Bonnet d'âne. Bonnet d'âne, franchement. Alors ça. Ça passe. Il est où l'expert? Oh, l'arrêt, l'expert. Il est là. Non, ne t'arrête pas sur celui-là. Ok. Le Pokachien qui essaie de lui faire face. Qu'en pensez-vous? Oh non. Non, pas la tour parisienne. Non, non, non. Le suivant. Je vois. Non, non, le je suivant, vois. Le suivant, le suivant. Non, non, non. Non. Alors qu'à côté. Oh non, c'est quoi l'article? S'attaquer au rêve de l'artiste, la dame de fer. Je n'ai entendu parler de Passepartout qu'il y a quelques jours, un jeune artiste excentrique avec une passion pour l'esprit et l'âme. En marchant dans l'avenue frappée par le crime, j'ai embrassé l'air de la tyrannie avant d'être introduit à la pièce sur la table. J'ai été frappé par la maîtrise. En approchant la toile, mon cœur palpitait d'excitation, et en m'approchant, elle s'est annoncée avec un aspect de crainte. Après une inspection plus approfondie, les détails intrigants de jaune or contrastés par la profusion de bleu marin, ça me rappelle mon enfance. L'utilisation du violet représente la passion putrescente et l'amour que l'homme a pour ses semblables. L'un dans l'autre, la dame de fer est un bon effort. Passepartout a beaucoup de potentiel et je peux sans aucun doute recommander à mes lecteurs de visiter Passepartout à l'avenir. Bah, c'est très sympa. Bah, écoutez, vous avez été le seul monsieur à voir le talent dans ma tour Eiffel. Je me disais bien qu'elle avait un peu de... Ah, enfin un vrai atelier. Waouh. Bien, nous vivrons cette expérience dans un prochain live. C'est quoi le nouvel outil, par curiosité? Est-ce qu'on en a un? Ouais. C'est un... Attends, appareil chiant à utiliser, ça sert à quoi? C'est super chiant. C'est à chier. Ça sert à quoi? C'est à chier, je comprends pas. C'est censé être un stylo plume, mais... Mais je vois pas l'intérêt. C'est chiant, à part avoir du délai quand on trace, ouais. Ça fait quoi? Je comprends pas. Pour vous, ça servira à quoi, ça? Ça ralentit le trait, on va dire, mais... Oui, c'est peut-être plus précis. C'est peut-être plus fluide dans ton... Bon, on n'a pas démérité, je trouve. Hein. En une heure seulement, non, passer à s'acheter un atelier, je trouve que c'est plutôt propre. On est plutôt bon. Dommage quand même que le mec se soit pas arrêté sur ton imitation bah, de Picasso. Ouais, parce que je saurais jamais ce que ça vaut vraiment, quoi, donc c'est un peu dommage. D'ailleurs, après... attends, cette œuvre-là, elle est aux poubelles, parce qu'on l'a plus, là. Oh, les chiens! Ils l'ont pas déménagé? Putain, ça bah, les poubelles, je crois, hein. Il a jeté. Après, on a vendu une Joconde à 800 balles, une nuit étoilée à 500 balles. On a quand même oui. Un talent de copie qui est assez extraordinaire, hein. On a un beau tableau, mais quand même, celle de Picasso, j'aurais bien aimé la vendre. Puis, puis on a ajouté notre touche à chaque fois. Rien à se reprocher, elles sont très belles, les toiles. T'as pas sauvegardé celle de Picasso, non? Non. C'est dommage. Oui.